Pourquoi as-tu choisi La valse du temps présent de Béatrice Conyngham? Ce qui est très pragmatique, c'est que j'ai des élèves qui sont en train de la travailler, donc je voulais leur proposer une écoute possible du rendu final, de manière à les imprégner de la mélodie. La deuxième raison pour laquelle je l'ai faite, c'est tout simplement parce que je la trouve enjouée. Elle nous plonge comme dans un moment joyeux présent. Habile dans les nuances, de dessiner le mouvement. L'avantage d'avoir un piano numérique, c'est que ça m'a permis de préenregistrer une des deux parties, de la laisser défiler pendant que je jouais l'autre, et vice-versa.